Hey, salut tout le monde, c'est quoi moi Elgus? Bienvenue sur Pro Cycling Manager 2015 pour la carrière. La Team Arkham Pro, l'équipe Duvel, la deuxième saison, la saison 2, et oui. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo présentation de cette deuxième saison. Avec donc d'abord les équipes World Tour déjà, AG2R, la mondiale. On va y voir un peu qu'il y a chez eux. On va classer par moyenne. Alors, voilà Philippe Bardet, André Amador, Vermoz, Bakelants, Turgot, Pas de gros changements chez AG2R Mondial. Chez Astana, Nibali Haru, Landa, Uran, Boom, Guadagnino Lopez, Samuel Sanchez, Nerz. Pas non plus gros changements, bon, tout de même Landa. Chez la BMC, à la BMC, ouais, pas non plus le gros bouleversement. Ouais, chez Cofidis, ouais, ok. Chez l'équipe Etix Quick Step, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de gros bouleversements, en tout cas au niveau des gros coureurs dans cette première saison. Enfin, entre la première et la deuxième saison. Chez la FDJ, la Lampre, Jechibar, tiens, qui a signé la Lampre. Ok. L'équipe Lotto Soudal, Michael Matthews qui a signé chez eux. Ce Tony Galopin toujours là, c'est cool. La Movistar, Quintana, Valverde, Aguirre, toujours le bateau de la Mamalori. D'ailleurs, Quintana, Axdos, cette nuit, toujours, ok. Équipe Orica Greenedge, alors Orica Greenedge avec Betancourt et Arredondo. Ouh, gros renfort au niveau de la montagne. Ils en avaient besoin, il n'y avait personne. Esteban Chavez. La Colombie et Richie Orica, en tout cas. Bock Mollema aussi, qui est chez Orica Greenedge. Ah, ben là, ils ont fait un gros renfort au niveau de montagne. Hein. Excellent. La team Orangina, tiens, ça a changé de nom, c'est plus l'équipe Europcar, c'est l'équipe Orangina, bah pourquoi pas. Coquard, qui okay. Inzosti, bien Inzosti qui a signé chez eux. L'équipe Cannondale, Dan Martin, beau transfert aussi, Simon Garance, Ejdal, Luca Paolini, tiens, qui a quitté la Katusha. La team Giant, quitter le Ginkel, Bédemoulin, ok, Barguil, toujours Langevel, ok. La Katusha, avec Christophe toujours, Tom Boonen qui a signé la Katusha. Igor Anton qui a signé aussi. Mais c'est tout. Fiersanov, tiens, qui est un transfuge de la Russe Vélo. La Team Sky, From Thomas, Gant Thomas, Senao, Richie Porte, voyez, Adam Yates qui a signé à la Katusha. Et Simon aussi, non même pas, tiens, d'habitude les frères sont ensemble, là non. Eh ben tant pis. Pierre Roland, tiens, qui est chez Sky. Nicolas Roche, qui est chez Sky aussi, j'ai vu, tiens. L'équipe Think of Saxo, Contador, Chagan, Krusiger, Majka, ok, McCarthy, Bréchel, Kizalowski, Benati, ouais, Tatevich, ouais, bon, non, il n'y a pas eu de gros bouleversement. La Trek Factory, Cancelanzalo, Talanski, Peiro qui a signé chez Trek, Van Poppel, ok, voilà donc, ce sont les équipes World Tour. Alors, on va pas montrer toutes les équipes continentales, hein, non, on s'en fout un peu, juste vous montrer bah, la mienne. Vous remémorez un peu mes coureurs. Les voici, les voilà, on va les casser par moyenne. Voilà. Je vous laisse admirer mon effectif, hein, qui est tout de même sympa. Hein. En montagne, c'est pas mal. Pas mal du tout même. En vallon, c'est plutôt bien aussi. Une équipe de vallon contre la montre. Hein, comme Vorobiev, voilà. En prologue, en pavé, toujours personne par contre. Et en sprint, c'est un petit peu léger, mais tout de même, on a Van Diemen, qui est un jeune, entre guillemets, il a 24 ans, donc il peut encore progresser. Voilà. Maintenant, le programme. Je suis invité sur le Tour Down Under, on ne sait pas. J'ai fait la demande hein, pour quasiment toutes les courses World Tour.
On verra bien si je serai invité. C'est aussi là ce qui est sympa justement sur ce passage au Continental Pro, c'est que maintenant on peut faire certaines courses que nous ne pouvions pas faire avant. Et surtout, il y a la possibilité peut-être d'être invité sur quelques courses au World Tour. Et ça, bah oui, c'est franchement sympa, sympa, sympa. On va aller voir un peu les trois grands tours. Tiens, qu'est-ce qui nous réserve? Alors, nous sommes là au mois de mai, donc il y a le Giro d'Italia, quelque part. Est-ce qu'on va le voir? On va peut-être pas le voir du coup, vu que je ne suis pas. Ah, bah si, on le voit quand même, heureusement. Le Giro. Oula, 6, 7, 8 étapes de montagne. Wow. Giro d'Italia. C'est parti, on va voir comment il est. Mettez pause hein, si vous voulez voir en détail les étapes. Je vais passer assez vite, moi. Gros 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 tour d'Italie, énorme tour d'Italie là, très 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 costaud. Ah, je comprends, Colombie, c'est vrai que j'ai un. Ok, Colombie, ok. Pas mal ce tour d'Italie, franchement, il a l'air balèze. Les championnats nationaux, alors que donc j'aurai droit à. Alors, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Italie, Espagne, Ukraine, Pologne, Russie. Colombie, États-Unis, bah oui, Suisse et Royaume-Uni. Waouh! Beaucoup de courses là. Ça fait combien là? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibles. Waouh! Le Tour de France. Waouh là, beaucoup de. Oula, énormément de places sur ce Tour de France là. Pas beaucoup de montagnes, hein. Cassis, ok. Ah ouais, il y a beaucoup beaucoup de plats, je trouve. Bon, ça peut être bien pour mes sprinteurs, mais beaucoup de plats tout de même. Un petit peu trop de plats pour. Ici, le plateau de Baie, le lac de Cap de Long. Mont Doré. Ouais. Embrun, ici, ouais. Échirolles. Notre-Dame de Bellegarde. Non, de Bellecon. Mais Bellegarde, hein, ça va plus. Plateau de Seix, d'Essex. Ok. Tour de France moyen, je trouve. Hein. Bon, il est sympa, mais moyen, moyen tout de même. Ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à vous montrer la Vuelta à Espagne. Avec, oula, beaucoup de vallons, de la montagne, très peu de plats, pur plat. Ça, par contre, j'aime bien, mais je ne pourrais pas y participer. Quoique, on ne sait pas. Ça se trouve, je serai invité sur la Vuelta à Espagne, on ne sait pas. On ne peut pas savoir selon mes résultats, selon ce que je vais faire et tout, on ne sait pas. Un bon chrono, quoi qu'on va dire, des centres. Alors, il est plus facile d'être invité sur le Volta ou le Tour d'Italie que sur le Tour de France. Hein, voilà. Il y a des chances, il y a une possibilité que je sois invité sur le Tour d'Italie. Voilà donc la Volta. Et les championnats du monde, on ne les voit jamais à l'avance, on les voit qu'après, je crois. Hein, sur les Ouais, on les voit qu'après les championnats du monde, malheureusement. On ne les voit jamais au début. Eh bien, tout est bien, hein. C'est ça, c'est le 24 normalement, le 25. Ouais, c'est par là. Bon, bah, c'est par là, ils sont pas là. Bref, sur ce, je vais vous laisser là. Et oui, c'est une vidéo très courte, hein, c'est une vidéo de présentation seulement hein, de cette course. Oui, je vais aller voir un petit peu s'il y a des gens, des coureurs. Ah, mais dans ma liste, c'est Belaïu ou Belaïev, comme vous voulez. De toute façon, il n'y a pas de faute sur les noms. Hein. On va aller voir un petit peu ceux qui n'ont pas de contrat. Ouais. Quels sont les coureurs libres? Y a-t-il des bons coureurs libres en moyenne? Ouais. 19 ans, waouh, Rosarushi. Il est pas mauvais lui. C'est dommage que je puisse pas. Je vais ajouter à ma liste lui, tiens. Hop. C'est un bon petit coureur par étape apparemment. Ah ouais. Rosario Chito. Ou Skido, je sais pas. Ok, en pavé, non, il n'y a personne. Même si c'est toujours meilleur que ce que j'ai moi, mais bon, on peut dire que voilà. En sprint, bof, non. Vallon non plus. Non, il n'y a que lui qui m'intéresserait pour plus tard. Bon, excusez-moi.
Voilà, l'équipe nationale, ben, ce sera bien sûr l'équipe de Belgique. Tiens, on n'a pas à choisir l'année suivante. Dans les autres versions de PCM, chaque année, on devait choisir notre pays. Là, on n'a pas à choisir, on est directement avec la Belgique encore. Du coup, je ne peux pas changer, démissionner de ce poste-là, donc j'aurai tout le temps la Belgique a priori. Petit détail, j'ai donc augmenté un tout petit peu les revenus de mon sponsor. Ouais, je vous dis, je suis honnête, je vous le dis, j'ai augmenté un tout petit peu les revenus de mon sponsor. Donc du coup, niveau argent, je n'aurai aucun problème. Après, je suis revenu à 73 000 en positif, donc voilà. Je vous le dis, hein, clairement, voilà, il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette saison sera intéressante. En tout cas, moi, je suis archi motivé dans le sens où j'ai en plus l'envie d'être invité sur des grandes courses. J'ai découvert d'autres courses, hein, comme le Critérium International, que je n'avais pas pu faire l'année précédente. Par exemple, hein, voilà, il y en a plein d'autres. Voilà, sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour le début de cette saison 2. Ciao, 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 tout le monde. À la prochaine.